Hello, I'm Kim DeLallo, and I am the Member Relations and Business Development Manager at the Canada Organic Trade Association. So we have organized the conference today, and these gentlemen here will lead the discussion. So I will introduce you to them, and the discussion will be in French. So there is translation services available into English or into a language of your choice, Spanish, German, whatever. But the source language will be French. So we aim to have an exciting exchange of ideas around organic and for you to see that organic is an option. Can you just raise your hand if you're working in organic? Are you working in organic? Great, super, thanks. And so, as we begin, I would just like to acknowledge that today's event is located on the unceded Indigenous lands of the Mohawk Nation and is historically known as a gathering place for many First Nations. So today we welcome three amazing leaders in organic. Pascal Desilets is the president and general manager of Fromagerie Lancette, which has the widest selection of organic cheeses and butters in Canada. Vincent Breton is the president of Du Breton, which is North America's leader in organic pork production. Sylvain Dufour is the vice president of business development and a co-founder of Fruit d'Or or Patience Fruit & Co. So we're very fortunate to have such accomplished people and business leaders, and we thank you very much for this. So our panel format is that they will ask questions and then they will respond. And then at the end, we will take questions. We are using the translation service again, so if you need that, please engage with that. So merci beaucoup, bienvenue à tous. Here we go. Donc on y va comme ça? Oui. Je vais commencer avec toi, je pense. Oui, oui, allez-y. Oui, pourquoi votre entreprise a-t-elle choisi de travailler dans le domaine du biologique? Je vous dirais que nous, ça a été une remise en question à la fin des années 90. On s'est posé la question, ma famille, c'est une... moi, je suis de la troisième génération, c'est une entreprise familiale. Maintenant, on est rendu à la quatrième génération de gens impliqués dans l'entreprise. Et puis, on était à l'époque, dans les années 90, principalement dans le port de commodité. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est sûr qu'au Québec, avec tant les règlements, le climat, etc., c'est qu'on n'était peut-être pas au meilleur endroit pour être compétitif puis développer une entreprise. Alors, on s'est mis à se poser des questions sur nos méthodes d'élevage, sur comment on faisait les choses. On a aussi discuté avec plusieurs des clients qu'on avait à l'époque, puis c'est comme ça qu'on est allé vers les niches de marché. On a commencé dans les produits sans antibiotiques et les produits à l'époque qu'on appelait naturels, même si on sait qu'aujourd'hui, cette claim-là ne veut rien dire. Et c'est comme ça là, qu'on a commencé, c'est une aventure, je dirais, c'est une longue journée qu'on a débuté. Et puis, par la suite, je vous dirais que les clients, on a été impliqués avec de nombreux clients, dont les leaders dans ce type de marché-là, comme Whole Foods aux États-Unis. Et c'est là que, disons, on a embarqué et on a suivi la demande du client. On est vraiment maintenant aujourd'hui une entreprise qui est centrée sur la demande des clients et des consommateurs. Bon, le reste, ça a été une évolution dans nos cahiers de charges, dans nos certifications. Mais c'était une volonté de la famille, c'était un enjeu d'affaires, mais c'était aussi d'être à l'écoute des consommateurs puis de notre clientèle, là, des leaders qui étaient dans l'industrie. Donc, c'est un petit peu comme ça que notre transition à nous s'est faite. Et puis, bien sûr, mon grand-père qui a commencé l'entreprise était proche des fermiers, proche des familles, proche de la terre. T'sais, moi, j'ai fait les foins quand j'étais jeune, on a travaillé sur la ferme familiale, donc ça fitait avec notre orientation. Et c'est un peu la remise en question qu'on a fait de nos façons de faire, puis le reste, on a évolué. Puis bien sûr, le bio nous a emmené ailleurs. Puis qu'est-ce qui a été positif pour votre entreprise en vous engageant dans le biologique? Je vous dirais, souvent comme producteur, en tout cas moi, ce que je constate de cette évolution-là, c'est qu'on est centré sur nos façons de faire. Comment qu'on fait des choses, nous, comme producteurs? Puis nous autres, on pense qu'on sait c'est quoi le bien-être animal, on pense qu'on sait c'est quoi l'agriculture. Mais peu de producteurs, en tout cas, surtout dans l'environnement de commodité, pensent, OK, consommateur, il pense quoi? Il veut quoi, lui?
Nous, on s'est posé ces questions-là. On n'a pas eu le choix de se poser ces questions-là parce que les clients nous les posaient. Puis on travaillait avec des clients qui étaient vraiment, tu sais, quand tu parles de Whole Food, ou bon, c'est des gens qui étaient activistes et qui étaient, je dirais, agressifs dans le bon sens du terme, à faire évoluer les choses, à faire changer l'agriculture. Donc, ce changement-là ou ce contact-là avec les consommateurs ou avec la voix du consommateur a fait évoluer la culture de notre personnel. Ça a été long, ça a été difficile. Une évolution de culture, ça se fait sur plusieurs années. Mais comment on traite les animaux, comment on les manipule, comment on a le respect du produit. Bon, tout ça, là, ben, moi, je trouve que c'est des changements hyper positifs. Aujourd'hui, on a des jeunes. Quand on a fait la transition dans certaines fermes, là, ben, les gens voulaient aller dans la ferme bio qu'on transférait parce que nous, on a fait des transferts. On a détruit des fermes, on a cassé du béton, on a amené des bulldozers. On a détruit des cages, puis on a mis des animaux avec plus d'espace, avec de la paille, avec les normes bio. On a fait cette transition-là, puis là, ça a créé de l'enthousiasme, puis ça a fait je dirais, un changement de culture du personnel, puis dans le fond, de l'entreprise, ça nous a fait évoluer. Merci. Parfait. Toi, Pascal. Oui, bien, nous, en fait, la transition s'est faite il y a maintenant plus de 30 ans. Donc, le choix du bio s'est fait il y a plus de 30 ans par nos producteurs laitiers fondateurs, de l'entreprise. Donc, eux, dans leur réflexion, bien, il y avait certains producteurs qui avaient des problèmes de santé reliés à l'utilisation des pesticides. Donc, il faut comprendre que les producteurs sont les premiers qui sont exposés justement là, à l'agriculture agrochimique. Donc, il y en avait qui avaient des problèmes de santé. Il y en avait qui ne voulaient pas exposer leur famille à ces produits chimiques-là. Il y en avait d'autres, bien, c'était important d'améliorer la santé de leurs troupeaux, des animaux. Puis il y en avait d'autres aussi qui constataient que, il y avait un cercle vicieux d'appauvrissement, des sols constamment avec l'utilisation de pesticides, d'herbicides. Donc, c'est toute cette réflexion-là qui a amené ces producteurs-là fondateurs justement à se tourner vers des pratiques durables, d'agriculture biologique. Puis, qu'est-ce qui a été positif pour votre entreprise dans cette... Bien, c'est sûr, ce qui était positif, c'est que depuis qu'on a fait ces transitions-là, ce qu'on a remarqué, c'est que nos sols sont en bien meilleure santé, on a des bien meilleurs rendements, nos animaux sont en meilleure santé, nos animaux vivent plus longtemps en meilleure santé, nos frais de vétérinaire ont grandement diminué, nos travailleurs sont mieux protégés, sont bien protégés. Puis aussi, bien, notre produit, tout simplement, est plus sain, puis est de meilleur, nos produits laitiers sont de meilleure qualité. Merci. Juste pour un petit peu pour notre côté, nous, chez Fruidor, le biologique est arrivé, je dirais, un peu par mon associé de la première heure, Martin Lemoine, qui était producteur de canneberges à l'époque, mais canneberges conventionnelles. Et Martin voyait un petit peu... l'usage de pesticides, d'insecticides, d'engrais, tout ça, parce que c'est quand même une culture qui est très intensive. Puis il se disait, forcément, tout à l'heure, on va payer pour tout ça. Donc, il a commencé à être préoccupé par le fait de l'intensité qu'on mettait à contrôler les insectes, les mauvaises herbes et tout ça. Et il s'est mis à chercher, justement, est-ce qu'il n'y a pas une manière biologique de faire croître la canneberge. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pratiquement rien qui existait à l'époque. Il a été vraiment un des premiers à se lancer dans la production de canneberges biologiques. Donc, trouver des moyens de fertilisation, mais biologiques, des moyens de contrôle d'insectes, mais biologiques. Donc, il est devenu vraiment, je dirais, celui qui a été un peu le parrain de tous ceux qui ont suivi par la suite. Et ça a été pour l'entreprise, je dirais, le fer de lance de Fruidor. Parce que Martin a commencé sa conversion de ferme vers les années 96. C'est donc vers l'an 2000 que la première récolte de canneberges biologiques est arrivé. Et c'est là qu'on a lancé Fruidor. C'est là qu'on a lancé l'entreprise pour pouvoir développer le marché de la canneberge biologique au niveau mondial. Fait que pour nous, ça a été, dès le départ, là, un gros facteur de différenciation par rapport à tous les concurrents qu'on pouvait avoir sur le marché. C'est bien. Si on enchaîne maintenant avec la deuxième question, je vais l'adresser à toi, Sylvain. Donc, quels défis avez-vous rencontrés en travaillant dans le secteur biologique et comment les avez-vous surmontés? Premier défi, c'est celui du contrôle des productions, en fait, que ce soit insectes
aux mauvaises herbes. Il a fallu travailler beaucoup, au début, beaucoup de main-d'œuvre hein, pour enlever les mauvaises herbes, contrôler ce qui se passait. Mais ça a été de développer, je dirais, les techniques de production puis d'améliorer les rendements biologiques. Au tout début, un producteur, et encore même aujourd'hui, le différentiel entre du conventionnel et du biologique dans la canneberge, c'est presque 50 % d'écart. Donc, pour un rendement à l'acre qui va jouer autour du 22 000 livres en conventionnel, un producteur en biologique aujourd'hui en fait à peu près 15 000, 16 000. Donc, la première façon qui a été mise en place, c'est de développer ce qu'on appelle un conseil technique aux agriculteurs. Donc, on a commencé à se donner les services d'agronome pour parfaire les méthodes de production en biologique puis augmenter les rendements. Le deuxième gros défi qu'on a connu, évidemment, parce que canneberge a quand même une production assez intense, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas assez de Québécois probablement qui est aujourd'hui pour consommer tout ce fruit-là qui allait venir juste de la ferme de Martin. On parlait là, d'un 3 à 4 millions de livres qui allaient arriver en certification biologique. Donc, le gros défi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ce fruit-là? Où est-ce qu'on va commercialiser autant de canneberges? Donc, ça nous a amené ça, vers le développement de produits beaucoup. C'est là qu'on a eu à développer, par exemple, la canneberge séchée biologique qui est aujourd'hui notre produit phare. C'est lui qui fait rouler le gros de nos usines. Mais on fait de la canneberge fraîche, on fait de la congelée, on fait du séché, on fait de la poudre de canneberge. Donc, à partir du fruit, il a fallu développer toute une gamme de produits pour réussir à écouler tout ce volume-là qui venait vers nous. La marque Patience, que certains d'entre vous connaissez peut-être, ça a été un des véhicules qu'on a utilisé pour l'amener jusqu'au consommateur. Parce qu'évidemment, les acheteurs industriels, au départ, étaient un petit peu frileux. Ah, du biologique, ça va être plus cher. J'ai déjà Ocean Spray dans mes magasins. La biologique est déjà vue comme un produit naturel. Donc, on a eu beaucoup de réticences de la part des acheteurs au début. Avec le temps, tout ça s'est estompé. Mais il a fallu, comme on dit, prendre le leadership de développer notre propre marque puis développer nos propres marchés dès le début. Puis pour toi, Vincent? Bon, l'évolution, c'est sûr, puis les problèmes qu'on a eus ou les défis, je l'ai parlé tantôt. Ce qu'on a vu, nous, en faisant la transition, c'est que c'est sûr qu'une production biologique, ça met le produit au centre des préoccupations. Hein? Puis pour nous autres, ben, le produit, c'est un animal. Fait qu'au lieu d'avoir des préoccupations autres, que ce soit, dans certains cas, les employés, même si c'est important, ensuite de ça, les installations, les coûts, ça ne fonctionne pas comme ça dans le bio. Dans le bio, avec les normes qui sont en place, avec plus d'espace, ça a amené de l'évolution. On a dû, par exemple, changer le type d'animaux qu'on utilisait, regarder le comportement de l'animal en lui donnant plus d'espace. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tous les types d'animaux et les races sont plus ou moins adaptés à ça, d'avoir accès, par exemple, à l'extérieur. Ça a amené plein de points positifs, mais il y a quand même eu des défis. Puis je le disais tout à l'heure, il a fallu faire évoluer la culture de toute l'équipe. Un autre élément, défi bien important, pour nous, c'est qu'on a un cycle de produits qui est long. Hein. Élever un porc, puis le transformer, ça se fait sur 150-160 jours. Et puis, il faut supporter, tu sais, avec les... Puis, il y a à peu près 70-75% du coût qui est le coût des grains biologiques, la nourriture des animaux. Donc, ces coûts-là sont très élevés. Et quand tu t'engages avec un producteur, tu fais des modifications de bâtiment. Puis, tu fais des modifications dans ta ferme, que tu sais que tu ne pourras pas revirer de bord. Tu ne pourras pas être compétitif dans un marché de commodité. Donc, la transition, c'est un grand risque. Puis, c'est coûteux. Puis, il faut que tu t'assures que tu vends l'ensemble de l'animal parce que tu ne peux pas juste... je comprends que les coupes les plus populaires, c'est le filet de porc, c'est les côtes levées, tout ça. Mais sur un animal, il y a beaucoup plus de produits que ça. Et il faut les vendre avec une valeur ajoutée. Et puis, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de chaînes qui vont se commettre un an, deux ans d'avance. Donc, le risque revient à l'entreprise, au producteur qui décide de plonger. Donc, ça, je vous dirais que c'est encore un défi aujourd'hui. Les transitions sont coûteuses et on se retrouve un peu seul. Et souvent, les gens qui font du bio, vous l'entendez également de mes confrères, c'est des gens qui innovent, c'est des gens qui sont les premiers. Et la réglementation, on travaille au Québec avec la réglementation qui date de 20, 25, 30 ans au niveau agricole. La réglementation n'est pas adaptée aux nouvelles cultures, n'est pas adaptée aux nouvelles façons de faire. Que ce soit la mise en marché collective, que ce soit les normes environnementales. Aujourd'hui, ce qui paraît simple de faire une cour d'exercice pour des animaux à l'extérieur, là, c'est un combat avec le ministère de l'Environnement pour obtenir des autorisations pour envoyer des animaux dehors.
respirer de l'air, tout ça. Fait que on est pris avec des réglementations désuètes qui ne tiennent pas compte de l'élevage bio, avec des frais de transition élevés. Donc, ça prend beaucoup de courage. Puis, je dirais, comment on a fait pour y arriver? Ben, c'est au pic, puis appel, puis c'est pas facile. Tu sais, ça fait que, en tout cas, c'est beaucoup d'épreuves. Puis, il faut vraiment y croire parce que, tu sais, puis on est une entreprise familiale. Nous autres, on n'est pas une entreprise publique, là, où c'est le prochain quarter qui est important. Mm-hmm. On a une perspective beaucoup plus long terme. Donc, ça l'aide dans un côté, mais c'est quand même des défis importants. Puis, adapter les réglementations ou ce qui paraît simple ou ce qui paraît logique, c'est pas. Puis il y a beaucoup de conflits dans les réglementations, par exemple, entre les réglementations ou les certifications biologiques puis les réglementations environnementales. Il y a des conflits, il y a des paradoxes là-dedans, puis ils sont pas réglés, puis ça prend une éternité à régler. Donc, ça, je vous avoue que c'est un peu plate. Ça, c'est le côté plate où tu fais un produit qui est intéressant, qui est meilleur pour l'environnement, où il y a un bénéfice que le consommateur recherche, puis là, tu es pris à te battre pour y arriver. Tu sais, tu es pris à combattre le système pour y arriver. Ça, je vous avoue là, que c'est un... parfois, là, on vient un peu en maudit. Mais ça, c'est un défi important, en tout cas, que nous, on a vécu dans cette transition-là. Là. C'est bien. Mais je me reconnais beaucoup dans ce que soit Vincent explique ou Sylvain explique. Quand on parle de défis de combattre, pour l'industrie laitière, ça a été un grand défi, là, juste d'organiser une collecte unique pour le lait biologique, pour obtenir le lait biologique séparément, puis le transformer. Donc, ça a été des combats là, qui ont été très difficiles à mener. Mais je dirais, le premier défi qu'on a eu depuis le début, c'en est un de connaissance. C'est d'aller chercher les connaissances nécessaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bio, au moment où on a décidé de dire bien, on n'achète plus la semence OGM qui vient avec l'herbicide puis qui vient avec le pesticide qui suit, bien là, quand on a décidé ça, bien, les agronomes qui sont embauchés par ces entreprises-là, bien, ils ne veulent plus donner de soutien. Fait que du jour au lendemain, tu décides, moi, j'achète plus ces semences-là, mais tu n'as plus de soutien agronomique. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut développer par nous-mêmes nos propres connaissances. Donc, c'est sûr que ça a été un grand défi. Il a fallu sortir à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada pour aller chercher des ressources pour justement comprendre comment changer nos façons de faire. Fait que ça a été un gros élément. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus, il y a un réseau, les connaissances sont beaucoup plus développées qu'avant, mais à l'époque, tout était à faire. Mais tu sais, encore aujourd'hui, si on regarde les ressources qui sont dédiées là, à la recherche pour faire évoluer les pratiques biologiques, c'est vraiment négligeable comparativement à ce qui peut être investi pour l'agriculture conventionnelle. Fait que ça demeure encore aujourd'hui, même si il y a des exemples, on a 30 ans d'historique de succès, ça demeure quand même un défi là, au niveau des connaissances. Puis c'est sûr, bien, l'autre défi, bon, on parle de la mise en marché, on parlait de justement ségréguer le lait, obtenir le lait biologique, le transformer, mais le mettre en marché, ça a été un défi majeur de longue haleine, donc de transformer un produit, de commencer à le faire connaître, à le faire goûter, à aller développer un marché. Donc, c'est sûr que c'est des défis qui sont majeurs. Puis, encore une fois, bien, les ressources au niveau de la mise en marché des produits biologiques sont encore minimales comparativement aux ressources qui sont utilisées là, pour les grandes entreprises dans le conventionnel. Fait que, tu sais, malgré ça, notre marché continue à se développer, continue à croître. Donc, je vous laisse imaginer si les gouvernements et les institutions s'occupaient correctement du biologique, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir? Je pense que ça serait exponentiel versus ce qu'on a réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Pour ajouter dans la même veine, là, je veux dire même qu'aujourd'hui, comme par exemple dans le porc bio, là, comme éleveur, on paye des cotisations qui sont utilisées pour la promotion du porc régulier. Mm-hmm. Ils ne sont même pas utilisés pour la production des produits biologiques. Fait que, on se retrouve avec vraiment puis je pense que ça existe dans toutes les industries. Là, que on paye soit le syndicaliste agricole, soit on a des cotisations qui sont payées à partir du produit. Ils ne sont même pas utilisées à la même hauteur qu'il y a de dépenses ou qu'il y a d'investissements par les entreprises dans l'agriculture biologique. Donc, il faut vouloir quand on. Ça fait des belles histoires à compter longtemps après, mais sur le coup, c'est pas toujours drôle. Donc, c'est moi qui est responsable de la troisième question. Donc, est-ce que vous pensez ou est-ce qu'on pense que
La demande des consommateurs va continuer de croître. Bon, ici, je vois en français deux chiffres ou double digit, là, comme par le passé, où elle va se stabiliser. Puis, si oui, pourquoi? Je pense que la croissance, selon moi, en tout cas, elle est là pour rester, en tout cas, pour qu'il y ait encore plusieurs années. En fait, nous, en fait, Fruits d'Or, on est déjà beaucoup à l'exportation. Ça fait plusieurs années qu'on est sur le marché européen. Et ce qu'on a vu comme évolution, c'est au départ, les gens achètent le fruit, dans notre cas, la canneberge, évidemment, achètent le fruit pour le consommer tel quel, donc sous forme congelée ou fraîche. Mais avec les années, ce qu'on a vu, c'est apparaître le développement de produits à valeur ajoutée. Donc, des biscuits, des gâteaux, donc des produits qui viennent ajouter des ingrédients, plusieurs ingrédients biologiques. Et ça a provoqué comme une augmentation de l'offre de produits, puis évidemment une augmentation de la demande pour les produits là-bas en Europe. C'est la même chose qu'on voit maintenant aussi aux États-Unis, ce développement de valeur ajoutée-là. Alors, pour nous, puis ce que je vois de plus en plus, c'est que l'opportunité d'aller dans les produits à valeur ajoutée pour le biologique, elle est, je dirais pas intacte, mais elle présente encore un potentiel extrêmement important au fil des années à venir. C'est ça. Bien, moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à savoir si le marché va continuer à croître à plus de 10 % par année. J'aimerais savoir la réponse, mais par contre, ce que je sais, c'est que je pense qu'on a besoin de plus de biologique dans notre système alimentaire. Je pense que c'est de plus en plus évident. Pourquoi? Bien, c'est parce que l'agriculture biologique répond vraiment à des enjeux de société qui sont majeurs présentement. Que ce soit le bien-être animal, qui est un enjeu important, que ce soit la santé de la population, la santé des sols, qui devient un enjeu critique, la protection de la biodiversité, la protection de l'eau. Puis maintenant, ce qui est de plus en plus évident, bien, c'est la lutte contre le changement climatique, parce que oui, les pratiques agricoles bio ont un impact sur la lutte contre le changement climatique. Fait que c'est tous des éléments qui, pour moi, me disent que le bio est quand même appelé à poursuivre sa croissance, que le besoin que le bio continue à croître est bel et bien présent pour plusieurs années. Moi, j'avais envie de vous dire toutes ces réponses parce que, j'abonde dans le même sens. Je dirais que la conscientisation, tu sais, son recul, peut-être de 20 ans, peut-être que les consommateurs de produits biologiques étaient un groupe plus petit, plus homogène. Nous, ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus, ce groupe-là s'élargit. Les groupes de consommateurs qui ont de l'intérêt pour des produits qui n'ont pas de résidus d'antibiotiques ou qui n'ont pas d'utilisation d'hormones, qui ont des caractéristiques de bien-être animal ou plus d'espace, de l'accès à l'extérieur. De plus en plus de consommateurs ont de l'intérêt pour ça. De plus en plus de clients ont de l'intérêt pour ça. Je pense que le groupe des clients qui consomment des bio, des gens qui consomment bio, on l'a vu dans les paniers d'épicerie, des gens qui, parfois, on voit des études qui passent, qui disent, bon, est-ce que vous avez consommé du bio, puis combien de fois dans la dernière année, une fois par mois, une fois par semaine, etc. Tout ça, tous ces indicateurs-là sont en croissance, je dirais. Donc, ça, c'est le côté positif là, qui nous permet d'espérer, puis de dans le fond, d'être enthousiaste face à l'avenir. Je vous dirais que d'un autre côté dans notre cas, c'est peut-être pas toutes les productions bio, mais c'est sûr que l'inflation des derniers mois et de la dernière année est préoccupante. Tu sais, quand les coûts des grains explosent, puis dans le sens, nous, ça a un impact sur le coût de notre matière première à peu près à 70 % 75 % comme je le disais tout à l'heure, bien, c'est sûr que c'est préoccupant. Bon, est-ce que les clients, vers quoi ils vont se tourner? Est-ce qu'ils vont, malgré que le porc, dans notre cas, est une protéine qui est relativement économique, par exemple, comparativement au bœuf, hein, parce que un kilo ou une livre de porc haché est beaucoup moins dispendieux qu'une livre de bœuf de commodité ou d'une protéine ordinaire. Donc ça, c'est un avantage. Est-ce qu'il va y avoir un transfert vers de la protéine de plus de qualité en moindre quantité? Est-ce que les grosseurs d'emballage vont diminuer puis les gens vont acheter un petit peu moins de viande? Comment ils vont adapter leur panier d'épicerie? C'est là où je disais toutes ces réponses, dans le sens que ça demeure quelque chose qui est nouveau puis qu'on va voir évoluer puis qu'on le sait pas vraiment. De l'autre côté, on a vu le bio se démocratiser. Je pense que les entreprises que vous avez ici ont fait ce travail-là d'essayer de rendre le produit bio le plus accessible et le plus disponible possible. Et ça, je pense que ça a évolué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des grands distributeurs, que vous voyez des grandes entreprises, qui auraient pensé que, par exemple, il y a 25 ans ou 20 ans, que Costco serait
dans la viande, du moins, en tout cas, serait, par exemple, le plus gros vendeur de produits biologiques aux États-Unis. Peu de gens auraient pensé ça, mais c'est le cas. Donc, je vous dirais que la demande du bio et l'intérêt pour le bio se développe. Bon, est-ce que les récentes inflations, est-ce que tout va s'ajuster? Est-ce que ça va avoir un impact sur la demande? C'est pas facile à dire. C'est préoccupant, c'est pas facile à dire, mais beaucoup d'intrants deviennent très dispendieux et coûteux. Donc, puis on a vu dans les dernières années, des fois, des producteurs de grains qui faisaient du bio, mais que là, quand les grains montaient, bon, ben là, des fois, ils laissaient la culture bio pour retourner vers du commodité. On a vu différentes choses évoluer. Donc, ça va être à surveiller, je vous dirais, au cours de la prochaine année. Mais nous, on le voit de manière, on voit de manière positive. On voit qu'il y a beaucoup de place parce que les consommateurs ont de l'intérêt. Mais reste qu'il y a quelques lumières jaunes et oranges là, qu'il faut se préoccuper et regarder. La prochaine question, ça s'adresse un petit peu là, aux défis que vous rencontrez. On voit, là, que ce soit aux États-Unis, en Europe, on voit de nombreux programmes, ou en tout cas des programmes de soutien à l'agriculture biologique. Ce serait quoi le ou les programmes que vous souhaiteriez voir apparaître ici au Québec ou au Canada? Oui, bien, je pense premièrement, ce qu'on aurait besoin, ce serait une reconnaissance plus claire et directe de nos gouvernements. Puis quand on parle de reconnaissance, on parle de politique comme européenne. Je pense qu'une politique qui a fait ses preuves en Europe, c'est que le gouvernement montre l'exemple en ayant des quotas minimum d'achat de produits locaux, de produits locaux biologiques pour leur institution. Donc, on parle ici de garderies, d'hôpitaux, d'écoles. Donc, ça envoie un signal clair, je pense, à toute la population. Puis ça envoie un signal clair que le bio est important, que le bio amène des bienfaits. Fait que je pense qu'on a besoin vraiment de reconnaissance plus grand de la part de nos gouvernements. Aussi, je pense qu'on a besoin, vous savez, en tout cas dans le cas des produits laitiers au Canada, on a une prime bio qui est versée par les transformateurs aux producteurs. C'est une prime bio qui est normée. Donc, cette prime bio-là, elle est répercutée en partie ou en totalité aux consommateurs. Donc, je pense que c'est un gros sacrifice, un gros effort qu'on demande aux consommateurs canadiens, québécois, de supporter, puis aux transformateurs, de supporter complètement cette prime biologique-là. Compte tenu des aspects positifs qu'amène l'agriculture biologique, je pense que le gouvernement devrait s'intéresser de plus en plus aux impacts positifs, puis à partager une partie de cette prime-là pour justement rendre les produits biologiques plus accessibles. On voit le gouvernement qui le fait au Québec là, avec une certaine rétribution maintenant pour les producteurs qui réduisent leur utilisation de pesticides, d'herbicides. Mais nous, cette prime-là vise justement à avoir des pratiques qui diminuent ces utilisations-là. Donc, je pense que le gouvernement, ça serait logique qu'il puisse contribuer puis assumer une partie de la prime biologique. Ça permettrait vraiment un élan supplémentaire là, à tout le secteur. Moi, je vous dirais, cette question-là nous est souvent posée. Puis là, cette question-là, je suis prêt. dans le sens suivant, c'est que la première chose que je réponds d'habitude à ça, parce que souvent cette question-là, des fois, va nous être posée par des gouvernements ou parce que, bon, la culture ou l'engouement du bio est là, donc c'est populaire, c'est le fun, c'est beau. Moi, la première chose que je réponds, c'est « Vous pouvez-vous arrêter de nous nuire? » Avant de nous aider, « Pouvez-vous arrêter de nous nuire? » Qu'est-ce que ça veut dire? Je le disais un petit peu tantôt, régler les conflits de réglementation. Régler les conflits entre les cahiers de charges, les normes des cahiers de charges, puis la réglementation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ouvrir les lois sur la mise en marché de l'agricole pour laisser de l'espace. Parce que nous, actuellement, la production de porc bio au Québec est uniquement produite par notre famille. À titre d'exemple, les conventions de mise en marché sont d'une durée de 3 ans. Obtenir un permis au Québec, dans certaines régions du Québec, pour bâtir une ferme, ça prend 2 ans. Le produit prend 1 an à venir en marché. Ça veut dire que tu signes une entente avec un producteur, puis tu ne verras pas le jour du produit qui va arriver sur le marché pendant la convention actuelle, puis tu ne sais pas ce que va être la prochaine convention de mise en marché. Quand je parle de stupidité ou de choses qui n'ont pas de bon sens, c'est ce genre d'affaires-là. L'autre chose, une fois que la réglementation est adaptée à de la production bio ou d'un niche ou de l'innovation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on vit, je le répète, avec la réglementation agricole qui est désuète, qui date de longtemps, je vous dirais que l'autre élément, c'est le support de la transition. C'est sûr que investir dans des intrants qui coûtent extrêmement cher, faire des modifications de ferme importantes qui vont
amener des coûts importants, il y a une complexité, il y a l'acquisition de connaissances, on le disait tout à l'heure. Tout ça, là, ça dépend de l'éleveur puis de l'entrepreneur qui décide, qui dit « moi, je plonge ». Bon, je vous dirais que cette période-là est extrêmement difficile, puis à chaque fois, en tout cas, c'est dans notre cas, à chaque fois qu'on prend une décision d'augmenter la production de bio, on fait face comme si on repartait à zéro. Donc, cette transition-là, il n'y a aucun, il n'y a rien. Je ne sais pas si dans les autres productions, il y a quelque chose, mais dans la viande, il n'y a absolument rien. Donc, tout dépend de l'entrepreneur. Vous allez me dire, peut-être que c'est correct, peut-être que c'est ça, des gens innovateurs, peut-être que c'est ça, mais en plus de nous nuire, on ne nous aide pas. Fait que c'est, je vous dirais qu'il faut vraiment, là, c'est une profession de foi là, pour utiliser, ou c'est une mission, il faut prendre le bâton du pèlerin, là, parce que... faut y croire vraiment, puis il faut être motivé parce que c'est les défis auxquels on fait face. Puis je vous dirais que de l'aide dans la transition serait, ou en tout cas des programmes de support, ou changer les programmes actuels, puis d'en mettre dans la transition serait pourrait aider à créer de l'engouement ou pourrait amener des gens peut-être à investir dans la production bio. Et ils verraient peut-être pas juste la grosse montagne d'acquisition de connaissances, d'investissement. Et de délai. Tu sais, les périodes de transition là, pour les terres, c'est 2-3 ans. Pendant ce temps-là, les éleveurs ou les producteurs n'ont pas les revenus biologiques, mais ils appliquent la norme bio. Puis ils peuvent uniquement avoir la prime au bout du 2-3 ans. Bon, là, on demande à des gens de supporter cette prime-là puis d'espérer que dans 2-3 ans, le marché va être encore là puis que tout va bien aller. Fait que ça, là, c'est quand même important comme commitment, comme investissement là, pour les gens qui décident d'aller dans le bio. Puis c'est pour ça que c'est difficile, là, puis c'est pour ça que c'est complexe. Écoute, je vais faire du pouce avec ce que tu viens de dire, parce qu'on vit un peu la même chose du côté des productions fruitières, là, dans notre cas. Mais c'est quand quelqu'un décide de faire le saut du conventionnel au biologique, toute cette fameuse transition-là, c'est... Il y a comme un vide. Je vais perdre de l'argent, je vais faire moins d'argent. Je suis en transition. Est-ce que je vais contrôler ma production aussi bien que je le faisais avant? Donc, le seul moyen qu'on a trouvé, nous, ça a été d'investir justement dans des services agronomiques qu'on fournit aujourd'hui aux producteurs qui veulent s'engager dans la transition du biologique. Donc, c'est de l'argent que l'entreprise a dû investir pour le faire. Aujourd'hui, on peut se permettre de le faire, mais il y a 15 ans pour nous, ça a été des gros sacrifices. Ça a été plusieurs années où on s'est dit qu'il faut développer la connaissance puis permettre, assurer aux producteurs qu'il y a moyen de faire du biologique et d'en vivre. Ça a pris plusieurs centaines de milliers de dollars là, qui ont dû être investis au fil du temps. Fait que tout programme qui viendrait soutenir un peu cette transition-là sur le plan technique ou des ressources, ça serait super bien. L'autre facteur, moi, en tout cas, que je vois là-dedans, dans les différents programmes, c'est arrêter que les gouvernements nous oublient. Là, je vais parler, par exemple, des ententes de libre-échange avec l'Europe, entre autres. Où est-ce que le biologique, c'était peut-être pas la première chose sur la page de négociation. Sauf que quand vient le temps de faire reconnaître tes produits biologiques, ben, oups, il y a des affaires qui ont échappé. Quand tu te mets à assembler des produits ensemble, des ingrédients biologiques, mais qui ne sont pas tous de la même origine, c'est là qu'on s'est aperçu que, oups, on nous a oubliés dans la négociation de tout ça. Donc, ça amène des gros conflits, des fois, puis beaucoup de travail, beaucoup de démarchage pour réussir à informer les gens de la réalité de ce qu'on vit. Pour le reste, ben, je dirais le dernier, puis c'est pas le moindre. Quand on a commencé, nous autres, dans le biologique, on s'est dit qu'il faut aller vers l'exportation, on n'a pas le choix. Il existe des programmes d'aide à l'exportation, que je sois une entreprise biologique conventionnelle, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. La différence, par contre, c'est quand moi, quand je vois le potentiel du biologique canadien, québécois, je me dis, ça se peut pas que nos gouvernements investissent pas plus à aider à développer des entreprises dans ce secteur-là. Quand on arrive dans les pays de l'Europe, je vais dire Québec, Canada égale bio. Ils pensent qu'on est tous biologiques. Pour eux, c'est comme on est comme une terre sacrée ou presque. Ils en veulent du biologique québécois, canadien. Et moi, le plus qu'on aura d'entrepreneurs qui vont avoir le support pour aller ouvrir ces marchés-là, bien, je pense que l'agroalimentaire canadien, québécois, va en tirer profit. Moi, c'est le premier constat que j'ai fait, c'est les gens nous voient comme étant tous des producteurs biologiques pratiquement au Canada. Bon, merci. La question suivante est intéressante, donc je vais la poser à Vincent. Donc, il y a beaucoup de mots à la mode et de programmes concurrents au biologique, comme naturel, tu en as fait allusion tantôt, Vincent, sans OGM, agriculture régénératrice.
Quel est votre point de vue sur la concurrence de l'agriculture biologique par rapport à ces revendications et comment se positionne-t-elle? Moi, je ne vous cacherai pas, puis je l'ai dit tout à l'heure, notre transition à nous, là, elle a commencé un peu par ça. Elle a commencé par enlever les antibiotiques. Par la suite, on a eu des clients qui nous ont interpellés, on les a écoutés, on est allé vers des programmes de certification de bien-être animal, puis par la suite, on est allé vers le bio. Et ça répondait un peu, vous le voyez tout à l'heure, aux enjeux de transition. Maintenant, par exemple, nos fermes qui ne sont pas bio, les éleveurs avec qui on travaille qui ne sont pas bio, sont certifiés ce qu'on appelle Global Animal Partnership ou Certified Humane, puis c'est les mêmes normes que le bio qu'on applique. On construit les fermes de la même façon, à part le grain bio puis l'accès extérieur. Donc, ça nous permet de financer puis d'aider à la transition. Et ça, c'est ce qu'on a appliqué comme stratégie. Cependant, je vous dirais qu'au départ, même les grands leaders de l'industrie, nous, on a vu la croissance de Whole Foods, par exemple, aux États-Unis, qui était le leader au détail incontesté du naturel, du bio, etc. C'était au départ une entreprise qui avait une croissance exponentielle et où les pratiques n'étaient pas bien normées et n'étaient pas bien définies. Donc, il y avait des appellations différentes. Naturelles. Là, maintenant, on voit le « humanly raised ». On voit plein de ça veut dire certifié ou élevé selon des méthodes humaines et respectueuses de l'environnement. On voit toutes sortes de claims. Moi, ce qu'on a développé, puis là, je sais que je suis posé de le dire en français en premier pour la traduction, mais chez nous, à un moment donné, en travaillant avec des gens structurés comme ça, ces gens-là ont développé des certifications, ils ont développé des façons de faire, des cahiers de charges. On a participé avec eux, on a élaboré ces cahiers de charges-là dans certains cas. Et c'est devenu une agriculture qui est maintenant, dans le bio, ça a toujours été le cas, mais certifiée. Les fermes sont visitées à tous les ans, ou dépendamment des certifications, des fois, c'est un pool, ils prennent le nombre d'installations que tu as, puis ils en visitent, par exemple, des fermes, puis ils vont en visiter un tant de pourcentage par année. Pour la certification bio, toutes les fermes sont visitées à toutes les années. D'autres certifications, c'est à tous les 12 mois, 15 mois. D'autres, c'est un pourcentage de l'élevage que tu as qui est visité à toutes les années. Les installations de transformation sont visitées à toutes les années. Donc, les certifications sont importantes et toutes les claims, les naturels ou les autres qui ont une notoriété face aux consommateurs, que le consommateur reconnaît, hein, parce que c'est pour ça que les grandes entreprises ou les gens qui ne sont pas certifiés les utilisent, parce qu'il y a une reconnaissance du consommateur. Puis les gens vont voir le naturel, le consommateur est un peu mêlé, ils vont dire « Ah, c'est naturel, des fois il y a une association avec le bio, tout ça. » Mais moi, je vous dirais, le concept un peu qu'on nous disait, on disait « Go certify or go home ». Ben moi, je pense que de plus en plus, il faut investir dans les certifications. Nous, on investit beaucoup dans les certifications. On a plusieurs personnes dédiées à ça. Et je pense que c'est la façon de combattre les claims ou les attributs qui ne sont pas certifiés ou qui ne seraient pas certifiés. Dans la liste qu'on discutait tout à l'heure, 60 OGM, il y en a qui sont partie intégrante des cahiers de charges bio, mais le consommateur ne le sait pas nécessairement. Tu sais, quand il y a des études qui sont publiées, là, on va voir, bon, les gens veulent des produits sans OGM, ils veulent des produits sans résidus de pesticides. Hey, ça, c'est bio, ça! Mais des fois, puis même dans certains cas, dans certaines études, la certification bio avait une reconnaissance moindre que ces claims-là. Donc, il y a beaucoup de travail d'éducation. Moi, je pense que comme transformateur sérieux puis comme entreprise, on doit investir dans les certifications pour donner confiance aux consommateurs. Puis à quelque part, je vous dirais même maintenant, moi, ce que je dis à mon équipe, c'est qu'il faut combattre, justement par la certification, par la rigueur, ces éléments-là qui ne sont pas certifiés puis qui donnent une reconnaissance qui est, dans certains cas, légitime, dans d'autres, moins, à des entreprises concurrentes ou qui tenteraient de tourner les coins ronds. Moi, je vous dirais, comme consommateur, là, ben, acheter des produits certifiés, acheter des produits qui ont été visité par des certificateurs, c'est là qu'il y a le moins de risques, c'est là que je pense que vous aidez vraiment les entreprises qui ont fait cet effort-là puis qui ont fait ça. Fait que je vous dirais que c'est un peu le constat, là, moi, des 20 dernières années. Je vous dirais que les certifications sont importantes. Je pense qu'ils donnent confiance aux consommateurs. Et puis, je vous dirais, la technologie va aider, hein, aussi. De plus en plus, les résidus d'antibiotiques peuvent se tester rapidement. Il existe des technologies. La technologie se développe rapidement. Donc, vraiment, les certifications sont importantes puis sont peut-être une réponse à ces
à ces slogans-là qui, dans le fond, ont une reconnaissance du consommateur, mais ne sont pas vraiment vérifiés ou ne sont pas vraiment là, gérés de manière rigoureuse? Je vais abonder dans le même sens que toi. Je dirais, moi, je dis souvent aux gens, ben le biologique, c'est tout ça. C'est naturel, c'est GMO-free, c'est développement durable, c'est pesticide-free. Bref, on les a tous ou pratiquement les attributs que le consommateur d'aujourd'hui va chercher. Je suis d'accord avec toi qu'il faut, je pense, c'est tout un effort de communication qu'il faut continuer à faire pour dire que le biologique, dans le fond, c'est vraiment tout ça parce que de plus en plus, puis je regarde les clients avec qui on traite, OK, il faudrait que tu sois GMO-free aussi, mais je suis GMO-free, je suis biologique. Déjà, on n'a pas à aller chercher, mais on est obligé d'investir dans ces certifications-là, malgré le fait que le biologique l'englobe. Et je pense qu'il y aurait un travail, je dirais, au niveau de la réglementation, justement, de reconnaître ces faits-là du biologique pour qu'on puisse... C'est GMO-free, parfait, vous êtes biologique, vous allez pouvoir le mettre. Mais c'est toutes des organisations indépendantes hein, qui se financent à travers des cotisations aussi là-dedans. Donc, ça risque d'être difficile. Mais si on avait une réglementation qui permettait de le reconnaître, ça serait énormément aidant dans le futur. Puis, vous voyez la certification de GMO-free avec le papillon, là. Je ne me souviens plus, mais le logo, c'est un petit papillon, c'est un exemple. Mais tous les produits bio sont ça, mais il faut que tu payes une autre certification. Puis il faut que tu passes à travers d'autres audits pour être capable d'avoir accès, par exemple, à ce logo-là qui peut être demandé par un détaillant. Exact. À titre d'exemple. Exact. Puis de plus en plus, ben c'est ça, ça devient une multiplication des logos sur les emballages. Ça devient même parfois difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Je fais confiance, par contre, à la, comme tu le disais tantôt, aux moyens de communication qui existent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus faciles d'accès pour la plupart des consommateurs. Il faut continuer à communiquer là-dessus puis valoriser le bio à travers tout ce qu'il est, parce que c'est ça, il répond pratiquement à tous les besoins du consommateur d'aujourd'hui. Alors, c'est de continuer à communiquer autour de ça puis de faire comprendre que le biologique, déjà en partant, c'est un ensemble de facteurs que recherche le consommateur de demain. Puis notre consommateur de demain, celui qui est préoccupé par le développement durable, de plus en plus, il a de la facilité à aller chercher cette information-là puis à pouvoir faire sa propre idée de ce qui est crédible, de ce qui ne l'est pas. Parce qu'il faut comprendre aussi des fois qu'il y a des organismes dont les certifications, la crédibilité derrière peut être questionnable. Alors que le biologique, avec toutes les réglementations au niveau mondial qui se sont mis en place, c'est probablement une des appellations les mieux protégées dans le monde déjà. Mm-hmm. Bien, c'est intéressant. Moi, j'irais directement dans la même ligne que vous, en fait, au niveau des produits laitiers. Bien, on entend beaucoup parler des produits nourris à l'herbe. Mais les produits nourris à l'herbe, c'est comme vous dites, c'est qu'un aspect du cahier de charge biologique. Du moins au Canada. Donc, dans le biologique, nos vaches vont au pâturage plus de 5 mois par année. Nos vaches sont nourries à l'herbe, majoritairement nourries à l'herbe. Notre lait a plus d'oméga-3, notre lait a plus d'acide linoléique. Donc, c'est tout inclus, mais c'est plus que ça, le biologique. Donc, il y a un cahier de charge derrière qui est plus grand que ça. L'autre tendance qu'on voit de plus en plus apparaître, bien, c'est l'agriculture régénératrice. Mais encore là, l'agriculture régénératrice, c'est la santé des sols, c'est la séquestration de carbone. Mais le cahier de charge, les pratiques biologiques, la santé des sols a toujours été au centre de des pratiques biologiques. Donc, on fait des rotations de culture depuis 30 ans, on fait des engrais verts, on envoie nos animaux au pâturage. On a des sols qui ont de la masse organique entre 4 et 8 %. Donc, on séquestre énormément de carbone dans nos sols depuis des années. Donc, encore une fois, c'est un nouveau terme, mais qui va juste prendre une partie de ce que la certification biologique apporte, puis on mise là-dessus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau communication, bien faire comprendre que le biologique, c'est une vision en anglais plus holistique de l'agriculture. Puis juste pour rajouter un peu ce qui a été dit, mais pour nous, la différence fondamentale au niveau du biologique, c'est que c'est un mouvement qui vient de la base. C'est un mouvement qui vient des producteurs. Puis notre entreprise, c'est un peu ça l'exemple. C'est des producteurs qui ont cherché un moyen d'adopter des pratiques durables, qui ont trouvé le système biologique, qui l'ont mis en application. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui vient là, d'une grande entreprise, de Nestlé, qui a dit « moi, je fais un programme mondial, puis j'ai des pratiques innovantes ». Ça vient vraiment de la base, puis c'est pour ça, je pense, que c'est beaucoup plus solide comme mouvement, comme certification, puis beaucoup plus durable. Mmh.